organisons une levée de fonds actuellement sous forme d'action qui est une épargne citoyenne qui va permettre à Kerwatt de financer l'installation de 3 toitures photovoltaïques. Ça se situe à Plozévette, à Clouard-Fouenant et sur la commune de Plonéouan. Kerwatt est une SAS citoyenne qui s'engage sur le territoire de Cornouailles, dans le sud Finistère, pour la transition énergétique, en œuvrant pour des projets de production d'énergie renouvelable, d'électricité photovoltaïque principalement. Donc le but est évidemment de diminuer notre empreinte en diminuant les émissions de CO2 au niveau de la production d'énergie, mais également de relocaliser la production d'énergie en Bretagne et dans le Finistère, puisqu'actuellement nous importons plus de 80% de notre production d'électricité, et de le faire sous forme citoyenne, par une décision horizontale de tous les gens impliqués dans la société. Alors pour ce faire, nous organisons une levée de fonds actuellement, sous forme d'action, qui est une épargne citoyenne en fait, qui va permettre à Kerwatt de financer l'installation de 3 toitures photovoltaïques sur le territoire, qui se situent à Plozévette, à Clouard-Fouenant et sur la commune de Plonéouan. Cette levée de fonds donc se fait sous forme d'actions. Les actions vont servir d'apport de fonds qui va nous permettre d'aller voir la banque pour obtenir un prêt complémentaire, et l'ensemble des deux va constituer le financement qui va nous permettre donc d'installer les centrales photovoltaïques. C'est la vente d'électricité de ces centrales qui se fait à un tarif garanti par l'État pendant 20 ans qui va nous permettre d'en assurer la maintenance, d'en faire la supervision, de payer les assurances, de rembourser les prêts bien sûr, et également de remercier les actionnaires qui nous ont fait confiance par un petit intéressement qui correspond en gros à ce que représente l'intéressement du livret A. Donc ce que nous proposons à ce niveau-là, c'est que les citoyens, plutôt qu'ils placent leur argent sur le livret A, c'est qu'ils placent une partie de leur argent dans Kerwatt pour aider à la transition énergétique. L'intérêt principal, au-delà de cet aspect financier, c'est surtout vraiment de participer au projet et d'intégrer le collectif de gestion du projet, puisque le fait d'avoir une action dans Kerwatt permet d'accéder à la gouvernance de Kerwatt, sachant qu'une personne aura le même pouvoir de décision qu'elle ait une action ou sans action. L'association Eker, qui est l'un des membres fondateurs de la SAS Kerwatt, s'occupe de ces projets sur la Cornouaille. Il y a 3 projets actuellement, sur la mairie de Plozévette, sur une toiture de ferme bio à Plonur-Lanverne et sur l'essat de Clouard-Fouenant. L'ensemble de cette production là serait de l'ordre de 55 à 60 kW. Alors, pour financer ces projets-là, donc comme Romain vous a dit, on fait une levée de fonds. Et le principe, c'est que donc tout à chacun peut acheter une action à 50 euros, acheter une action ou acheter plusieurs actions. Eker est une association de transition citoyenne, écologique et citoyenne, qui a été créée à Pont-l'Abbé en 2014, à l'occasion de la première journée nationale de la transition citoyenne. On tenait à se rapprocher, à se mettre dans ce grand courant de la transition citoyenne au niveau national pour répondre aux enjeux climatiques. C'est vraiment ce qui nous animait depuis le début, c'est de vraiment montrer au public comment il était et pourquoi il était important d'adapter nos modes de vie pour que nos modes de vie ne constituent pas du pillage de toutes les ressources naturelles de la planète et pour éviter de produire des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Voilà, donc les premières années, Eker a d'abord surtout fait des actions pédagogiques auprès du grand public par des ateliers participatifs, des conférences, des projections, des visites de lieux inspirants. Et au bout d'un moment, on a jugé utile de passer à la réalisation d'actions concrètes
Et donc, on a décidé de créer des projets de production photovoltaïque, de lancer des toits solaires citoyens. Et donc, on a identifié les trois projets qui viennent de vous être présentés, là, donc, sur trois communes différentes de Sud Finistère. Ce sont les premiers, il y en aura d'autres derrière. Et donc, ça va permettre aux citoyens qui le souhaitent de construire là où ils habitent, dans leur environnement, ou un peu plus loin, s'il n'y en a pas encore près de chez eux, de soutenir la réalisation de ces projets pour vraiment montrer qu'il est possible de changer nos façons de produire l'énergie. Mais petit à petit, il faut se réapproprier la production d'énergie pour que ce soit une énergie renouvelable, propre, beaucoup moins polluante évidemment que l'énergie nucléaire et financée localement par les citoyens plutôt que par des grandes sociétés qui nous passe au-dessus de la tête. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez bien sûr nous soutenir donc, soit par l'achat d'actions ou par le fait de nous rejoindre et de participer activement à la vie de l'association et à la mise en place des trois projets dont nous avons parlé ou de nouveaux projets. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter la page de l'association. Il y a également une page Facebook et une adresse email. Et très prochainement, l'achat en ligne d'actions sera possible. Pour le moment, l'achat d'actions est possible soit par courrier ou par email et virement.